Bonjour à tous, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir discuter un petit peu avec Laurent Welch. Alors, on est au beau milieu d'une formation de 2 jours qui s'adresse à des maraîchers. Mais c'est vrai que tout ce que nous enseigne, je me suis dit, pour les jardiniers amateurs ou même un peu plus sérieux, ça peut être passionnant. Il y a moyen d'avoir plein de petites astuces. Et alors déjà en 2 mots, je te présente, ça fait une trentaine d'années que tu es dans le maraîchage. Tu as même commencé à 4 ans, tu disais, déjà au jardin, et tu as toujours été passionné par ça. Tu es dans le sud-ouest, le nom du village Latoux. Latoux. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire, tu es forcément un membre actif du réseau maraîchage sol vivant, surtout dans le sud-ouest, mais aussi très engagé au niveau national. Et puis, je sais pas, comment tu commences un peu à nous... Moi, ce qui m'a vraiment plu dans cette première journée de formation qu'on a eu hier soir, c'est que tu prends vraiment du recul par rapport à la place du jardinier, la place de la plante dans tout un système complexe, mais dans le bon sens du terme. Je sais pas, je te laisse enchaîner là-dessus. Ouais, on va essayer, ouais. On va essayer. Vu que le système est complexe, il faut que ça prenne trop de temps non plus et que ça devienne compliqué, quoi. Voilà, ouais. Juste aborder sur quelques thèmes clés qui me portent à cœur. Du coup, non, moi, je suis porté par l'agriculture biodynamique depuis tout le temps, donc dans une vision globale et dans le souci d'aller vers ce qu'on appelle un organisme agricole, donc une individualité agricole, quelque chose d'autonome. Mm-hmm. Qui soit un espace donc, qui est plus naturel mais artificiel. Donc l'être humain met sa patte dans la transformation du paysage, donc c'est l'acte agricole, dans lequel il met le plus de conscience possible pour pouvoir développer des systèmes qui soient totalement personnalisés, donc singularisés par la nature de celui ou de ceux qui le portent, mais en même temps harmonieux avec le tout, pour que ça ne soit pas d'une tonalité dissonante avec la symphonie naturelle qu'il y a autour de soi, quoi. Donc pour ce faire, il faut revenir plus terre à terre et se dire maintenant comment je fais quand je suis acteur de la construction du paysage et comment j'assume mon rôle de co-créateur et d'être à la fois créateur dans un espace créé et sacrément créé. Dans tous les sens du terme, de sacrément, quoi. Donc par petites touches, au début, le temps de bien s'approprier le lieu, et petit à petit, on peut se permettre un peu plus ou... Ça passe déjà par de la sensibilité. Et donc, mettre en éveil ses sens le plus possible et les laisser parler à son cœur. Ça, c'est la première règle. Et après, aimer ce que l'on fait. Donc pas dans une démarche de survie. Et nous, on a la chance, dans les pays plutôt riches, de pouvoir jardiner dans le plaisir, et pas forcément dans la survie. Ce qui confère un regard détaché quant à la nécessité de le mettre en place. Et du coup, on peut prendre le temps de communier avec l'espace dans lequel on est, avec ses sens, et laisser exprimer ses sentiments au plus profond de soi. Et ensuite, tout ça, utiliser l'espace de la raison, donc l'espace de la tête, pour pouvoir y mettre du sens et aller vers quelque chose de pragmatique. Mais le premier geste, c'est le cœur. Et le deuxième, c'est la tête, qui va donner du sens, de la cohésion, du concept, du pragmatisme, pour pouvoir agir d'une manière intelligente et intelligible à la construction de son jardin. Voilà. Donc beaucoup d'empirisme. Ouais. Mais pas juste ressortir tout ce qu'on a appris dans les bouquins ou sur internet ou ailleurs, quoi. C'est... Ce qu'on a appris sur les bouquins et sur internet doit être une nourriture que l'on doit métamorphoser en soi pour la personnaliser et le transformer en quelque chose qui émane de soi dans toute humilité. Et jamais de avoir soi, honte de ce que l'on fait, juste être à la hauteur de la responsabilité qu'on a pris de faire un jardin, quoi. Voilà. Mais oui, c'est qu'une ressource intellectuelle, le livre, qui est dissocié du contexte dans lequel on est. Et tout l'art, c'est de créer ce trait d'union entre cette ressource intellectuelle dissociée du lieu et le lieu. Oui, et forcément, il va y avoir une métamorphose. Le lieu qui est important, c'est pas juste on arrive comme ça et en ressortant ce qu'on a au fond de soi. C'est une sorte de communion entre le lieu et soi pour essayer de trouver la meilleure synergie possible entre les deux. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire le lieu est une entité créée. Ouais. Elle existe pour elle-même et sans nous. Et à un moment donné, nous, on s'insère avec une volonté très, très singulière qui est la nôtre,
qui est assise sur notre histoire, ouais. et qui n'est pas forcément en lien avec le lieu de plus, puisqu'on bouge. Et du coup, ben, c'est une rencontre. C'est une rencontre comme je peux avoir une rencontre avec toi. Quoi. Ouais. Donc à un moment donné, ben, je t'identifie comme un être humain avec des lunettes voilà. et d'un certain âge, ouais. du genre masculin, mais j'en sais pas plus. Ouais. Ouais. Ton prénom va me dire un peu plus, mais au fur et à mesure que je te côtoie, et si je mets de l'attention, ben, je vais rentrer dans ton intimité sans chercher à la violer. Et cette, ouais. et cette relation va pouvoir fructifier dans quelque chose qui nous transforme mutuellement. Et bien cet espace qu'est la nature est du même ordre. C'est-à-dire que le lieu dans lequel j'y vais, c'est une entité, et il faut que je l'aborde ben, avec simplicité, avec le moins de préjugés possible, tantiné que ça soit possible, avec une observation juste, la plus juste possible, et animer en moi un ressenti qui progressivement m'amène à ce que j'ai des flashs d'idées qui viennent et qui vont me donner envie d'être à la rencontre de certains ouvrages, de certaines discussions, parce qu'en fait ça fait écho avec ce que je vis intérieurement. Quoi. Et progressivement les idées viennent, et par le travail qu'on exerce sur le lieu, au quotidien, la régularité de nos interventions entraîne des transformations, il y a une causalité. Quoi. Je suis la cause de nouveaux effets, et je mesure si cet effet est en adéquation avec la santé que j'espérais, la beauté que j'espérais. Et progressivement, je produis un espace qui est franchement imprimé de ma personnalité. Voilà, ouais. Et plus cette personnalité est à l'écoute du lieu, et plus il y a une forme de synergie qui se crée entre mon désir et le désir du lieu, qui fait apparaître le jardin. Voilà. Et c'est justement cette approche qui t'a fait évoluer au fil des années et transformer le lieu dans lequel tu es. Et tu as. Alors je ramène un peu aux techniques, mais finalement, ça t'a amené à employer des techniques différentes pour arriver à avoir un lieu qui soit le plus efficace. J'aime pas trop le mot, mais c'est qui réponde le plus à mes attentes. Oui, voilà. Qui répond le plus à mes attentes. C'est un acte égoïste et narcissique. Quelque part. Oui, mais en même temps, il est aussi plus florissant qu'il n'était quand t'es arrivé. Mais donc, cet égoïsme et ce narcissisme, ouais. il est contraint ouais. parce que l'objet sur lequel je travaille est un objet créé et intelligent. Donc il me laisse pas faire n'importe quoi. Je vais avoir des conséquences à tous mes actes qui peuvent aboutir à l'absence de récolte. Et du coup, une grande frustration qui fait qu'en fait, j'ai pas réussi ma récolte, et donc ça me met en questionnement sur mon regard sur le lieu, sur mes attentes, sur ma manière de le travailler ni rien. Et donc, en fait, ce qui se passe quand on jardine, c'est qu'on se rend compte que celui qui est jardiné, c'est pas la nature, mais c'est le jardinier. ouais. Et donc, en fait, il y a une métamorphose intérieure qui se fait, une transformation intérieure qui se fait, qui est la conséquence, en fait, de l'agir que j'avais sur le lieu, et de la réponse du lieu à mon agir qui en fait me pose à des interrogations. Et donc moi j'ai fonctionné comme ça tout le temps d'une manière très animique, on va dire, liée au cœur, en associant de la raison, du concept et tout le reste, en lisant et tout le reste, mais en m'appuyant sur une histoire, la biodynamie ou autre, quoi, autre mouvement. Mais ce que je vois après, je ne sais pas combien d'années, peu importe, dizaines d'années de ce travail-là en fait, c'est que j'ai été transformé en profondeur, et mon regard sur le jardin change, mais mon regard sur moi-même change, et mon regard sur le monde change. Et je peux avoir une vision assise sur mon expérience du jardin, critique sur le fonctionnement de ma société, sur l'histoire de ma société, sur la raison de l'agriculture, sur le pourquoi de la révolution néolithique, qu'est-ce que le monde de paysan, dans quoi il s'inscrit, pourquoi il a été détruit. C'est ça, et son évolution. Et son évolution et compagnie. Et pourquoi nous, les enfants de l'industrie, les vétérans du XXe siècle, un monde ultra-industrialisé compagnie, pourquoi on éprouve le besoin de revenir à la terre alors qu'en fait on n'a pas besoin de travailler la terre puisque les magasins sont pleins d'aliments accessibles à nos bourses. Qu'est-ce qui nous pousse à ce retour à la terre si ce n'est ce besoin d'enracinement dans le terrestre pour pouvoir élever notre âme à plus d'esprit? Mais un esprit qui ne soit pas un esprit hallucinatoire, un esprit dément, parce qu'il est coupé de la terre, mais un esprit qui s'ancre dans une réalité, qui est la nature, hein, et qui puisse s'inspirer constamment de fonctionnement dans lequel on est issu, et aboutir à quelque chose de cohérent, et pas un fantasme
sorti de rien, sorti de rien. Ah ouais, ça, ouais, non, mais ça me parle vraiment, ça, parce que tu vois, moi j'étais dans l'informatique pendant 20 ans, et il y a une petite dizaine d'années, j'ai complètement changé, maintenant je suis maraîcher, et je suis bien plus heureux, bien plus à ma place, depuis que je suis voilà, au contact avec la terre. Et c'est le cas d'énormément de maraîchers, des gens en reconversion. Alors je ne sais pas pourquoi ils vont beaucoup dans le maraîchage, peut-être parce que c'est plus facile d'avoir un petit terrain, mais aussi parce qu'on a encore plus contact avec la terre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de jardiniers amateurs qui ont envie d'aller au jardin et d'aller voilà, mettre les mains, voilà, exactement. C'est s'enraciner, s'ancrer, se mettre à la terre, comme en électricité, on se met à la terre, on se sécurise comme ça, quoi. On atterrit. Et là, le rapport à l'informatique, du moins ce que j'en vois, justement là, l'espace informatique virtuel, et on le voit au niveau des jeux, on peut imaginer des mondes complètement artificiels, coupé de toute réalité morale, de toute réalité naturelle et compagnie, dans lequel en fait on puisse y perdre sa propre réalité. On le voit dans les addicts des jeux, ils se retrouvent dans un monde fantasmé, et ce monde fantasmé devient une réalité pour eux, dans laquelle ils s'y perdent. Alors que quand on est en rapport avec la Terre, le monde qu'on travaille, le monde qu'on transforme, n'est pas un monde fantasmé en soi. On le fantasme, on se le représente de manière fausse, mais lui, en tant que tel, il n'est pas fantasmé, ce monde-là. Et du coup, par moment, par le caractère, on va dire, utilitaire du jardin, il faut que j'ai des récoltes, il faut que... on se rend compte qu'à un moment donné, on est dans le fantasme et pas dans la réalité, et ça nous ramène à nous positionner quant à la compréhension du monde, et au-delà de ça, la compréhension de soi, quoi. Et donc, le jardin peut être vécu comme dans le sens alchimique du terme, donc de cette métamorphose de l'âme pour transmuter le caractère vil de soi en or, donc le plomb en or, et les alchimistes ont un outil qui est l'alambic qu'ils appellent l'atanor, dans lequel ils transforment les métaux. Et cette transformation des métaux en fait a pour conséquence une transformation d'eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à s'enrichir, les mecs, ils s'en foutent. Ce qu'ils cherchent, c'est à s'ennoblir. Okay. Donc, ils cherchent à transformer ce qu'il y a de vil en eux en quelque chose de plus subtil. Et du coup, le jardin, pour moi, il est vécu comme un atanor dans lequel je me métamorphose. C'est mon espace alchimique. Donc, je pense que plein de gens peuvent trouver leur espace alchimique dans d'autres endroits, cette métamorphose. Moi, c'est mon espace alchimique. Et dans lequel, en fait, l'être qui se transforme, ce n'est pas le jardin. C'est mon être intérieur. Et c'est ça qui me nourrit, en fait. C'est ça qui fait que... Et c'est ça qui a de la durée dans le temps. C'est pas mon jardin. Mon jardin, en lui-même, à un moment donné, quand j'y serai plus, il disparaîtra. Mais moi, au-delà du jardin, je continue à exister. Et toute la transformation que j'ai fait dans le lieu, en fait, c'est la cause d'une transformation de moi-même. Et ça, je le porte pour toute mon existence, quoi. Donc c'est un acte noble, le jardinage. C'est un acte très, très noble. Et qu'il soit à la dimension vivrière, donc du jardin amateur, ou à la dimension professionnelle du dit paysan, quoi, comme moi, qui fait, c'est le même acte. Et du coup, voilà, ça c'est pour la vision, on va dire, je sais pas comment, quoi, global. La vision globale, au-delà même du jardin, puisqu'en fait, on n'a pas parlé du jardin. Non, mais moi je trouve ça super inspirant, enfin, je sais pas vous, mais moi ça me donne envie de repartir tout de suite chez moi et puis d'aller, voilà, jouer avec mon jardin, quoi. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, sentir, et puis. Et observer, et ressentir et tout, quoi. Ouais, c'est clair que c'est surtout ça le plaisir, c'est clair. Tous les jardiniers, même un paysan, sur une grande surface, ont ce point commun, c'est qu'à un moment donné de la journée, c'est souvent à la fin de la journée ou au début de la journée, enfin ça dépend des gens, quoi. Moi c'est plutôt en fin de journée où on s'assied au milieu de son œuvre, puisque c'est son œuvre en fait, c'est un grand tableau dans lequel on a peint. C'est co-créé avec la nature. C'est une œuvre artistique, on est là en train de créer quelque chose, quoi. C'est pas rien de créer, quoi. C'est un acte, et c'est un acte jubilatoire. La création, quand elle est réussie ou quand on la sent réussie, c'est un acte jubilatoire. On a ce sentiment de plénitude, des fois associé à un effort qu'on a produit derrière, ça peut être, mais c'est surtout, d'un moment donné, un espace du jardin qu'on a le sentiment qu'il est beau, parce qu'il répond à une attente, amène une espèce de jouissance incomparable à quoi que ce soit d'autre, qui, à mon avis, est le sentiment de création.
qui se transforme dans une espèce de jouissance qui est du domaine, pour moi, de la plénitude. C'est-à-dire que le monde peut s'écrouler autour de soi. En fait, on a le sentiment d'être réalisé. Donc, c'est des fractions de secondes ou des quelques minutes, parce qu'après, on revient dans la contingence de notre quotidien. Ah, et c'est tout pas le reste. Non plus, quoi. Oui, mais ça n'empêche que ce sentiment c'est un sentiment de joie. Je pense que c'est pas du bonheur, c'est de la joie, quoi. C'est quelque chose de plus profond que le bonheur. Je pense que tous les jardiniers le vivent. Et tous les gens qui touchent la terre le vivent parce qu'ils sont créateurs. Et qui répondent à la nature profonde de l'âme humaine, c'est d'être créatrice. La liberté que nous confère notre absence de spécialité donne la possibilité à l'être humain de pouvoir transformer le monde à son image. Contrairement aux animaux qui sont beaucoup plus spécialisés, et on le voit en élevage, on repère très vite qu'ils sont très spécialisés puisqu'ils sont plutôt monotaches et ils la font très très bien, en fait, ils n'ont pas la liberté de faire autre chose que la tâche par laquelle leur instinct les porte. Or, nous, on a très peu d'instinct, en fait. Et on est plutôt maladroit dans tout ce que l'on fait, et on est plutôt idiot dans tout ce que l'on fait, mais néanmoins, c'est l'espace de la liberté. Et cet espace de liberté nous donne le pouvoir de créer. Le pouvoir de créer des choses singulières, des choses originales, des choses uniques, qui correspondent à notre maladresse, à notre incompétence, mais néanmoins qui sont uniques et qui impulsent dans le génie du monde, puisque le monde en soi est génial, et il est quasiment parfait, qui impulsent une dissonance qui a pour effet une transformation de soi et la nature. Et donc l'acte agricole est cet acte d'avoir le courage de transformer la terre et de l'amener à être quelque chose de différent de ce qu'elle peut être, alors qu'elle est déjà géniale, en inspirant notre génie maladroit qui, par l'acte de transformation, devient de plus en plus adroit et de plus en plus cohérent. Et alors du coup, les chasseurs-cueilleurs du Néolithique, ils n'étaient pas encore vraiment humains ou ils l'exprimaient différemment? Ils étaient êtres humains enfants. Ouais, ok. Tu vois, ouais. je le vois plus comme une humanité qui passe par l'âge de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte jusqu'à l'âge mûr. Ouais. Et en fait, on a encore les ados qui ont des conneries, non? Nous, on est plutôt, à mon avis, actuellement particulièrement, on est plutôt ados plutôt punk. Ouais, okay. C'est-à-dire, il n'y a pas d'avenir, quoi. Et puis, je nique ta mère, quoi. Je veux dire, c'est un peu, on est un peu dans ce truc-là, donc on est assez destroy, hein, et malheureusement, un peu trop. Ouais. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'on a été ado comme ça qu'on ne devient pas un adulte mature et qui mesure la puérilité de l'adolescence, mais aussi cette force de tout essayer, de tout faire et de faire n'importe quoi et d'aller jusqu'au bout de nos limites. Et, ouais. Et c'est aussi riche notre époque pour ça, c'est qu'on va au bout de nos limites. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de dégradation de soi et de dégradation de la nature et de la dégradation de notre organisation sociale, que ça impulse dans l'individu un besoin de se poser et de réfléchir quant au sens de sa vie, quoi. Et du coup, l'acte de jardiner est peut-être un retour progressif à la terre et à cette responsabilité qu'on a pris depuis le Néolithique de transformer les paysages en quelque chose de beau, de singulariser, d'harmonieux et d'en accord avec le tout. C'est ça un peu la transition qui se passe. Donc ce monde industriel complètement coupé de la terre, ultra technologique, génial, en plein de points, en fait, fait de nous des êtres malheureux parce qu'on se coupe de notre origine, qui est la terre, et on a besoin de ce retour à la terre pour pouvoir se reconstruire. J'ai le sentiment qu'il se passe ça et que on vit une révolution à nouveau aujourd'hui, une grande révolution technologique qui a énormément de conséquences. Et si on la laisse faire pour elle-même, par elle-même et tenue que par une minorité, on ne sait pas dans quoi elle va nous entraîner, mais en tous les cas, elle ne nous amènera pas dans un monde harmonieux, quoi, au sens de ce lien qu'on peut avoir à la Terre. Et du coup, ce retour à la Terre, c'est peut-être une manière de se déconnecter un petit peu de cette réalité technologique, reprendre racine dans des valeurs qui sont propres à la nature pour pouvoir refaire face à cette réalité technologique qui nous arrive dessus et pas la laisser nous déborder et l'utiliser pour aller plus loin dans notre transformation. Tu vois, peut-être qu'il y a ça derrière cette volonté de jardiner, quoi, en arrière-fond, parce que
c'est une pression constante quand même. Ah oui, la technologie, c'est une pression constante qui va dans notre domaine privé, mais qui s'insère aussi dans notre vie professionnelle, jusqu'à la mort de certains métiers, avec une intelligence artificielle de plus en plus présente dans nos décisions, dans nos actes, de plus en plus influente. Et donc quand on va vers la Terre, peut-être que c'est une manière de regarder ça avec plus de distance et de se dire, oui, il y a ça qui existe, une création humaine, mais il y a ça aussi qui existe, qui est une création naturelle, je me positionne. Bah, surtout en pratiquant ce métier, la manière dont on parle depuis quelques minutes, c'est, je veux dire, c'est... Des robots auront du mal à faire la même chose, quoi, parce que voilà, il y aura pas cette alors que de l'agriculture industrielle, un robot commence à savoir le faire. Quoi. Bien sûr. C'est alors que la manière dont on le fait nous, c'est clair, ou dont vous le faites vous au jardin, voilà, c'est un robot, il pourra pas, parce qu'effectivement, il y a toute cette dimension qu'on n'a pas forcément tous perçue. On le fait peut-être plus ou moins inconsciemment, mais maintenant que tu mets les mots dessus, effectivement, je me rends compte que. C'est mon quotidien, quoi, en fait. Et alors que j'en avais pas vraiment pris conscience, tu vois. C'était donc pour ça, ouais, franchement, merci pour cette. Et là, juste pour continuer sur la technologisation de l'agriculture, ouais. Qui est un grand mouvement sociétal pour répondre à la nutrition de tous, mm-hmm. par rapport à la montée démographique, forcément, il y a plein de gens qui se préoccupent de qu'est-ce qu'on va manger demain dans un contexte climatique où tout se dégrade. Mm-hmm. Et du coup. Ça va des libertaires un peu comme moi qui croient vraiment à cette force du cœur et la transformation du monde et au génie qui en découle pour l'organisation sociale et l'horizontalité qui peut en découler. Mais il y a des gens qui pensent qu'en fait il faut aller vers des systèmes ultra technologiques, complètement coupés de la nature. Des fermes urbaines, des fermes verticales, une agroécologie. Industrielle, très robotisée, mm-hmm. avec des tracteurs automatiques, voilà, qui tournent dans les champs, qui sèment des engrais verts, qui les roulent, qui les ressèment avec le GPS, mais aucun humain, aucune humanité, mm-hmm. tout ça sur un foncier accaparé par la privatisation, mm-hmm. donc une terre marchandisée, plus la terre sacrée des Indiens qui appartient à tous et qui est homme et terre et la même chose, mm-hmm. donc là on est dans le domaine où le commun a disparu totalement et le pouvoir de la propriété privée est, comment il s'appelle, les reines. Ouais. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Ouais. Et donc, j'emmerde tous ceux qui ont faim. Ce que je produis, s'il n'est pas capable d'acheter, il n'a qu'à mourir. Ouais. Et donc, l'agroécologie, aujourd'hui, a ce courant qui existe fortement. Parce que forcément, on se rend compte que de tout détruire, et bien, à un moment donné, quand on a tout pillé, il n'y a rien qui pousse. Donc, il faut reconstruire. Mais reconstruire a changé les paradigmes de la propriété privée et de l'industrie. Ouais. Et nous, les petits jardiniers, aussi poètes puissions-nous paraître au regard des gens responsables, en fait, on peut proposer une véritable alternative à la problématique climatique, à la problématique alimentaire, si on est nombreux et créatifs. Et on peut fabriquer un paysage libre, créatif, et rempli d'amour, qui peut transformer le monde, quoi. Ouais. Et c'est cette révolution agricole qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on on amène des techniques nouvelles, il faut qu'on amène un changement de paradigme de la répartition des terres, de la gestion du commun, de comment, en fait, on s'accapare le paysage et dans lequel on installe quelque chose où chaque individu peut être lui-même créatif, libre, et pouvoir éprouver ce moment de joie sans être contraint par le diktat d'une minorité qui décide pour tous. Il vient d'avoir une pause, je viens de m'apercevoir, on était tellement concentré dans la conversation que j'ai pas fait attention, l'appareil photo, eh ben, comme tous les appareils photo, il s'arrête au bout de 27 minutes. Donc on a quand même pas mal parlé, ça fait plaisir. Ouais. Je sais pas du tout à quel moment ça a coupé, mais donc bon, de toute façon il est l'heure de retourner en formation. J'ai les boules parce que c'était passionnant la fin de conversation, mais on essaiera de se revoir quand même à l'occasion pour prolonger cette conversation. J'espère que la demi-heure que vous avez pu voir vous a inspiré. Donc voilà, il est temps de se dire au revoir. Laurent, un grand, grand merci. J'ai oublié de dire aussi que tu faisais des spectacles de marionnettes. Après de grandes tendinites. Voilà. Non, en fait, voilà, c'est une grosse tendinite à force de soulever les caisses de pommes. Comme quoi, quand on est en amour avec le lieu au travail, il donne trop. Et on finit par se blesser.
Alors qu'on a rêvé qu'il donnait trop, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Donc, là, t'aurais su avant. Tu n'aurais pas aimé autant, quoi. C'est... Donc, voilà, encore un grand merci. Et puis, on se revoit, j'espère, très bientôt. D'accord, très bien. N'hésitez pas à demander en dessous si vous avez des questions. Si ça vous inspire, réagissez. Je pense qu'il va y avoir des échanges assez marrants là-dessus. À très bientôt. Et encore merci, Laurent. Avec plaisir. Bon courage pour vos jardins, du coup.